elle rentrera dans l'histoire du football. La Française Stéphanie Frappart va devenir la première femme à arbitrer dans un mondial, une première depuis 1930. Ce sera sur la pelouse du Qatar pour la rencontre entre l'Allemagne et le Costa Rica. Beaucoup d'émotions, parce que la Coupe du Monde, c'est quand même l'événement mondial le plus important du sport, en plus du foot, mais voilà, vraiment important. Et aussi quelque chose, vraiment une fierté de représenter la France à la Coupe du Monde. À 38 ans, le parcours de Stéphanie Frappart a déjà tout d'une pionnière. Première femme arbitre en Ligue 1 masculine et en Super Coupe d'Europe en 2019, en Coupe des Champions en 2020 et en finale de Coupe de France cette année. Jeudi, son nom rentrera de nouveau dans les annales. Mais cette ascension a des allures d'exception. Une minorité de femmes dirige les matchs. En France, elles représentent 4% des effectifs. Sur le mondial, elles sont 3 sur 36.